Bonjour les fines bouches. Aujourd'hui, je ne savais pas trop avec qui j'allais me fâcher, alors je me suis dit, je vais faire un plat traditionnel local, puis je vais recevoir plein de trucs. Ben non, moi je mets ça, moi je mets ci, je ne le fais pas comme ci, je ne le fais pas comme ça. Je vais essayer de vous faire le plus classique des débuts du gratin dauphinois. Il y a tellement de versions, fromage, pas fromage, lait, pas lait, cuire les pommes de terre avant, pas les cuire avant. Je vais vous montrer comment moi j'ai appris à le faire il y a une quarantaine d'années. Alors, dans la recette que je vous propose, on a besoin de quoi? On a besoin de pommes de terre. Et même si le dauphinois, le gratin dauphinois, ça vient du Dauphiné, la pomme de terre, la vraie, la bonne, elle est picarde, forcément. Donc nous, on va mettre de la pomme de terre picarde, alliance en l'occurrence. On a besoin de lait et de crème fraîche, 40 centilitres pour chacun. Muscade, soit en noix, sinon vous mettez de la poudre, c'est pas un problème. Sel, poivre, un peu de beurre et d'ail pour beurrer et ailler le fond du plat. Maintenant, la première et la plus grosse des opérations, c'est de tailler les pommes de terre. Merci Mandoline. Pour que ce soit réussi, il faut enlever l'amidon. Donc il faut les avoir rincés 3-4 fois et surtout bien les sécher avant de les mettre dans le plat. Une fois que tout ça c'est bien sec, vous les mettez dans le plat, vous mettez une couche de pommes de terre. Certains diront on les met comme des écailles ou pas. Vous mettez un peu de muscade. Un peu de lait. Un peu de crème. Sel. Poivre. Et vous continuez jusqu'à remplir le plat. Donc on se revoit dès que le plat est plein. A tout de suite. Alors, bon, on finit avec la muscade. Un peu encore. On finit. Alors, je vous l'avais dit, hein, elle n'est pas encore sortie la vidéo, je me suis déjà fait allumer parce que j'ai oublié de vous dire qu'il fallait préchauffer le four à 180. Donc avant de faire tout ça, vous mettez le four à préchauffer parce que là, il ne va pas encore être prêt. C'est une vidéo, elle va faire parler. Voilà, ça, dès que c'est à 180, on le met au four. Une heure. Donc, dans une heure, on vous montre ce que ça donne. A tout de suite. Là, vous entendez? Vous entendez? Libérez les dauphinés. Libérez les dauphinés. Le four est cuit. Il est cuit, notre petit gratin. Waouh! Toutes ces odeurs pour un seul four. La crème qui est remontée un petit peu. Ah, économie. Regardez-moi ça. Belle couleur. On pique, hein. C'est cuit. Là, on peut le manger comme ça tout de suite, découpé. Moi, je propose de le laisser reposer un tout petit peu, parce que de toute façon, c'est tellement chaud que c'est immangeable. Vous attendez 5-10 minutes. Pour le découper en parts et le servir avec ce que vous voulez. Je suis sûr que dans une des prochaines vidéos, vous allez revoir notre gratin. Alors, les amis, gratin dauphinois, pour moi, original. Mais je suis sûr et certain que je vais passer un peu de temps sur les commentaires à vous répondre que c'est le mien et que le vôtre, il est sûrement pas mal, mais essayez le mien quand même. Alors, à vos pommes de terre, à votre mandoline et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?